Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Peace. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike. Aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'un message de prévention les potos, d'information news à propos du glitch. Et je vais vous montrer le logo du Prestige 10. Avant toute chose, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 qui me prête son compte pour justement vous faire ce petit message et cette petite vidéo qui est très importante, donc soyez fort à l'écoute. Je mettrai sa chaîne en description, merci à lui de m'avoir prêté son compte et n'hésitez pas à aller vous abonner, sa chaîne sera en description. Donc merci à tous ceux qui le feront et sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Alors première chose, c'est que je parle à tous les glitchers de ma chaîne YouTube, donc tous ceux qui glitchent sur Call of Duty Zombie Black Ops 4. Il faut que vous sachiez, quand vous allez arriver Maître Prestige, votre logo va devenir invisible. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire comme mon propre compte, ne dépassez pas le Prestige 9. Tant que vous n'avez pas vu que le Prestige 10 était débugué, parce que là il y a un bug. Et pour éviter que vous ayez à faire une remise à niveau de toutes vos prestiges glitchés, ben, je vous conseille de rester au 9 et de passer au 10 quand le 10 est débugué. Parce que moi sur WW2, on avait tellement glitché que notre logo était devenu invisible permanent. Donc si vous voulez pas que ça arrive, ne passez pas le Prestige 10. En plus de ça, il faut savoir que quand vous serez Prestige 10, à chaque fois que vous allez passer un niveau, il y aura un message d'erreur. Donc je vais vous montrer ce message d'erreur. Voici le message d'erreur qui s'affichera tout le temps devant votre écran à chaque fois que vous passez un niveau. Même quand vous jouez en léger, ce sera tout le temps la même erreur. Donc sérieusement, ne passez pas votre mode Prestige pour ne pas être ennuyé avec ce code d'erreur et de ne pas avoir de logo. Voilà le logo du Prestige 10, donc ne passez surtout pas ce Prestige ou sinon vous n'aurez plus le logo affiché sur votre compte. Si vous voulez passer votre Prestige, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez, mais sachez que quand vous aurez passé votre Prestige, vous pourrez aller jusqu'au niveau 1000. Parce que regardez, ici il est marqué niveau 55, mais quand vous appuyez sur Option, il est marqué niveau 97. Et moi quand il me rejoint dans une session, je vois le niveau 97, c'est juste que je ne vois pas son logo. Maintenant, il faut que je vous parle d'une mise à jour qui va arriver aujourd'hui 19h apparemment. Donc je vous l'affiche à l'écran et je vous le lis en même temps. Il est marqué « Demain, nous publions une mise à jour substantielle hashtag Black Ops 4 avec une multitude d'améliorations, de correctifs et d'ajouts dans tous les modes, y compris de nouveaux correctifs de stabilité pour le zombie. Nous allons également lancer notre premier week-end double XP avec deux fois plus de Nebulium Plasma en zombie. Plus de détails bientôt. » Alors ce qu'on comprend maintenant, c'est juste énorme, c'est que quand la mise à jour va arriver, on aura un double XP et un double XP pour les plasmas Nebulium, donc on en aura deux fois plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont déjà un double XP, eh bien ils vont avoir un x4 XP, donc ça veut dire que votre prestige, vous allez le passer en même pas une heure et demie, plus ou moins les potos, c'est juste insane. Et en plus de ça, vous pouvez gagner jusqu'à 300 liquides divinium par une heure et demie. Enfin, 300 nebulium plasma par heure et demie. Donc, toutes les heures 30, vous gagnerez 300 plasma. C'est juste insane. Le seul problème de ce message, c'est qu'il parle de correctif. Il parle d'amélioration. Il parle de zombies. Et on a tous peur que, justement, ils viennent patcher le glitch que je vous ai présenté depuis 2-3 jours. Donc voilà, vous savez tout les potos, si le glitch n'est pas patché ce soir, ça veut dire que ce week-end, on va pouvoir farm les XP, les prestiges et les nebulium les potos, ça va juste être énorme. On va s'en foutre plein les poches les mecs. Donc voilà, c'est tout pour ces informations, j'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et pour ceux qui auront regardé toute la vidéo, n'hésitez pas de mettre un hashtag glitcher pour me dire que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et qu'on va en profiter un maximum ce week-end s'il patch pas le glitch. Donc franchement, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à vous les potos, vous êtes au top. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Coolo Mike et ciao. Peace.